Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belize. Un plaisir, on le fois encore pour nous ensemble, pour nous actualité ensemble. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité aux États-Unis, candidat parti républicain pour présidentiel novembre, ancien président Donald Trump, bah, une conférence la Kaili dans Mar-a-Lago, côté lui présenter un tableau catastrophique sous États-Unis et critiquer l'administration Biden-Harris. Dans Bangladesh, prix Nobel la paix, économiste 84 ans, Mohamed Younis, prêté sèment jeudi comme nouveau premier ministre avec objectif, entre autres, pour calmer le pays et organiser l'élection. Et puis dans le pays d'Haïti, atelier sur état des lieux avec administration publique a déroulé dans Hôtel Montana sous l'obédience la primature. Et c'est pour ça yo avec l'autre accord nous allons développer pour dans un petit moment d'abord 2024 là ici aux États-Unis sont années électorale et jodi a te gagné ancien président et candidat pour parti républicain li même li te rencontré avec la presse dans Mar-a-Lago la Kaili nan Floride. Et puis l'autre point encore concernant actualité électorale là, débat a fait dans pays a sous contribution candidat pour poste vice-président yo capable poter dans victoire parti respectif yo. Jean-Robert Philippe gen opinion expert yo. Vice-président Kamala Harris t'a montré en pile confiance après de fin désigné mardi 6 août là gouverneur Minnesota Tim Walz comme colistil pendant présentation officielle là qui était faite dans un rassemblement populaire en Pennsylvanie. Vice-président Kamala Harris a déclaré in his state he has been a model gouverneur associé dit représenter un modèle chef exécutif avec expérience li moins dit nous Tim Walz paré depuis premier jour. Candidat désigné parti républicain Donald Trump au côté par chanter louange pour dossier politique colissé là sénateur Iowa Jed Vance. Mais ça va gagner longtemps ancien président et diminué importance sélection choix vice-président. And I think this is well documented. Historiquement, c'est un dossier qui est bien documenté. Vice-président, dans ce qui est pour avec l'élection, pas aucun impact. Moi, je l'ai dit, virtuellement, aucun impact. Tout bagage, c'est choix, président. Cherchez à expliquer à cause vice-président travaille dans l'ombre président américain, rôle souvent mal compris et pas apprécié. Vice-président, c'est premier citoyen en ligne succession pour remplacer président s'il t'a empêché et personnage clé pour continuer calendrier politique parti. Joel Goldstein, vice-présidentiel scholar Joel Goldstein, parlait pour dire their role is really to act as a subordinate. Rolio vraiment c'est agir comme subordonné pour aider, encourager et poursuivre politique président. Et puis il agit habilité président pour le travail comme un leader national et international. Dans un sens, choix vice-président capable de faire campagne présidentielle là, une bourrade. Par exemple, Bill Clinton a fait un très bon choix. L'elle t'a sélectionné Al Gore en 1992 comme vice-président. Ticket parti démocrate là. C'était une combinaison de jeunes baby boomers centristes qui se tiennent dans le sud pays à pouvoir un message changement génération. Un mauvais choix, d'après Jean-Analyse, t'a décrit lui, c'est la décision sénateur républicain John McCain t'a pris pour sélectionner gouverneur Sarah Palin comme vice-président parti républicain dans l'élection 2008 là. Façon il était agi pendant campagne là, moi quoi, t'es fin pas affecté ticket McCain là. Mais c'est pas raison ça non qui fait sénateur McCain t'a perdu l'élection. Pour année électorale, ça, référence Tim Walz avec focus li sur économie en faveur famille, c'est sous ça campagne à islamiser. Elizabeth Clements, une sociologue politique dans l'Université of Chicago, qui te parlé avec Voix de l'Amérique via Skype, parlait pour dire une version qui dit ou en faveur famille, par exemple, avec contrôle reproduction, mais plutôt support économique pour famille, tant qu'ou éducation, soins santé, logement avec développement, travail. Sénateur républicain Jed Vance pour aider à avancer le dossier républicain d'après l'analyse Peter Lodge. Même si le candidat pour poste vice-président n'a pas souvent fait une grosse différence dans l'élection, l'analyse dit que l'électeur américain a gardé façon actuel choix pour poste vice-président, tendez électoral et puis canaliser préoccupations. Véronica Balderas, Iglesias, t'es préparé pour ça, pour ça, la nouvelle voix de l'Amérique là. Moi-même, Jean-Robert Philippe, t'es traduit et adapté pour VOA Creole dans Washington DC.
Merci Jean-Robert Philippe. Donc, gros rendez-vous qui gagne, ou bien prochain gros rendez-vous qui gagne dans l'actualité électorale là, ici aux États-Unis, c'est Convention nationale démocrate là qui a fait sorti 9 pour IV22 dans ville Chicago, dans l'État Illinois. Snap quitté actualité électorale là, nous parlons dans l'international là, côté dans Bangladesh, prix Nobel la paix, économiste Mohamed Yunis, eh bien, il prête serment comme nouveau premier ministre, côté que le promet pour calmer le pays et puis pour organiser l'élection Valérie de Saint-Louis depuis New York. Prochain leader pays Bangladesh là, Mohamed Yunus, t'est arrivé la Kaili jeudi après yon voyage sorti l'autre bord de l'eau. Puis t'as dans journée li installé pour prendre fonction li à la tête pays. Pendant que l'a cherché rétablir calme et puis reconstruire pays a après yon soulèvement qui t'est metté fin dans 15 années règne ancien premier ministre Sheikh Hasina qui lui-même t'est vigne de plus en plus yon régime Bouddhi. Dans première déclaration que l'était fait après que l'était arrivé dans le pays, il était dit en conférence pour la presse que priorité li c'est rétablir l'ordre. Pendant que moi sur route tourner dans le pays, moi entendais que la loi avec l'ordre était perturbée dans le pays. Moun a fait attaque sur l'autre monde, boule caille, détruit propriété moun, attaquer bureau tribunal, attaquer minorité yo, hindou yo, bouddhiste yo, chrétien ak amadia yo. Ça c'est un parti dans complot. Ça yo c'est pas affaire pas nous. Travail nous c'est protéger tout moun. Nouveau leader pays, Mohamed Yunus, t'est entouré par quelques leaders étudiants yo qui ont même été dirigé soulèvement ça contre premier ministre Hasina. Il t'est continué parler pour le dire. Mouvement étudiant ça t'a sauvé pays a. Il fait pays ça renaître. Nous cémenter pour nous te réussir renaissance Bangladesh là et puis pour nous avancer vite. Nous voulons protéger lui. Bangladesh c'est une famille, nous doit uni nous. Nous voulons retirer quel que soit problème qui gagne yo. Moi voulais mener tourner monde qui t'a perdu route yo pour nous capable travailler ensemble. Auparavant, il t'a proposé Mohamed Yunus by président pays qui actuellement a agi comme chef exécutif là en bas moment loi constitution pays Bangladesh là. Prix Nobel la paix a demandé tout le monde pour suspendre violence. Il t'a promet pour pas prendre aucune mesure répression contre personne monde. Sécurité a été serré en pile dans l'aéroport pays pour assurer que Mohamed Yunus t'est arrivé en sécurité parce que pays a été fait expérience plusieurs jours agitation avec la troubaille après que premier ministre assassinat tombé perdu pouvoir dans lundi. Président Mohamed Shahabuddin te dirigé cérémonie prestation de serment Mohamed Yunus. Dans une cérémonie officielle, prix Nobel la paix, Mohamed Yunus te prêté serment comme chef gouvernement provisoire pays Bangladesh. Quelques jours après que premier ministre Sheikh Hasina te sauvé quitté pays. Ami Mohamed Yunus. Moi pral défend shapot grohon koritechi je shapot grohon supporter antarbot ba kono byaktir nikot et puis protéger constitution pays prokash korebona. Mohamed Yunus a fait déclaration ça pendant la cérémonie prestation de serment. Il t'a ajouté que le pral remplit le voile correctement et avec sincérité pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis, ou toujours sur VOA Creole, ou a suivi un programme dans langue créole haïtien. Ministre Affaires étrangères pays Iran fait qu'on est, ils font gros déclaration côté le fait qu'on est que Israël pas gagne ni force ni capacité pour le capable gourmet avec pays en parlant de Iran. Donc c'est pour dire que situation toujours été compliquée dans la région Moyen-Orient. Nous allons rejoindre Gentil Augustin Junior. Nan yon interview ak AFP, ministre affaires étrangères iranien Ali Bagheri di Israël pa gen ni capacité ni force pour faire la guerre contre Iran. Yon l'autre côté, ministre affaires étrangères Gambia Mamadou Tangara, nan yon réunion urgence organisation coopération islamique la OIC, déclaré this unlawful act zak illégal ça non seulement voye jete possibilité pour joindre la paix mais tout aggraver tension dans région agression ak violation souveraineté ak intégrité territoriale république islamique Iran nan assassinat yon leader politique sous tel IA c'est yon zak ki pa karete sans conséquence. Hier mercredi a Premier ministre Benjamin Netanyahu rencontré ak nouveau rekri l'armée Israël la. Eli di yo, mwen konnen ke citoyen Israël yo sou alèt la gè. Mwen mande yo yon bagay, rete patient ak calme. Nou pare pou défann ak atake. Nou frape l'ennemi nou yo epi nou determine tout pou défann tèt nou.
Pendant gros menace la guerre pendier sous tête Israël, service ambulance israélien commencé estoquer sang dans yon centre en bataille. Where we are now is the most secure part of the building. It is ça, c'est parti qui plus sécurisé dans building là. Côté nouyé kounye ya. C'est Fort Knox dans building ça. Et c'est là nous serré sans urgence pour assurer yon réserve constant dans tout l'hôpital yo. Dans IDF, si toutefois ta gen yon gros crise, yon citoyen qui habitué bay santé dit. Because of the war, à cause la guerre, nous doué, nous besoin plus pour tout soldat yo, pas même pour soldat yo, pour tout monde. Pendant toute préparation ça yo a fait, yon vidéo Channel 12 nouvelle publié montré soldat israélien yo k'a fait abus sexuel sou yon prisonnier palestinien Hamas. Vidéo ça qui édité t'a montré soldat yo k'a mené yon prisonnier palestinien qui gen gel bouché et puis yo entouré li. Yo kachel pour personne pa wèl ak bouclier qui levé bien haut. Après yo te fin wè vidéo a, porte-parole la Maison Blanche là, Karine Jean-Pierre déclaré. Rapport viol yo, maltraitance ak abio vraiment préoccupé nous. Et puis, nous te clair ak consistant ak Israël que li doit traiter tout prisonnier yo tant kou moun et ak dignité, ak sa ki gen rapport ak loi internationale, respecte droit moun nan prison yo et puis assurer responsabilité pour n'importe abus ou soit violation. Malgré 5 suspects déjà arrêtés pour Zaksa, IDF rejeté catégoriquement accusation sous mauvais traitement systématique qui gen ladan abus sexuel dans centre détention liyo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci, gentil. Dossier Venezuela, communauté internationale là, eh ben, il est divisé par rapport à victoire président pays à Nicolas Maduro dans l'élection qui était déroulée mois passé, soit 28 juillet. Côté résultat, yo, bal, yo, troisième mandat. Et selon proclamation, conseil électoral national là. Détail avec Serge-François Michel. Leader opposition vénézuélien Maria Corina Machado dit opposition doit connecter à la communauté internationale. Hay que acoplar y coordinar todas estas acciones de la comunidad internacional para que el régimen sepa que nadie va a convalidar toda acción comunitaria internacional por régimen, hablando del régimen Nicolás Maduro, conoce que personne ici là va pouvoir accepter ça et que monde là connaît que nous pas pouvoir virer page là et que ça c'est une fraude. Leader opposition en Venezuela a déclaré dans une réunion sur internet avec le président Costa Rica Rodrigo Chavez intention yo pour reconnaître fait tabulation qui présenté comptage après élection 26 juillet, ça qui, d'après Saoudi, servit comme preuve que réélection président Nicolas Maduro a gain fort de la donne. Président Costa Rica Rodrigo Chavez, te parlé avec leader opposition Maria Corina Machado, à candidat à élection présidentielle Edmundo González Urrutia. No vamos a aflojar. Gente valiente. Président Chavez dit, nous ne pouvons risquer pas seulement la popularité politique, nous, mais tout la vie. Nous. Machado annonce que seul choix qui devant aussi accepter en transition négociée. Président Chavez, beaucoup de parle dit, Costa Rica, t'es offert nos asiles. Et nous dit, pas de question quitter ça. Nous avons courage. Tant que le français a dit, chapeau. Honneur et respect. Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva fait réunion à Cabinelli dans le palais Planalto. Quelques jours après, il était fin demandé un dialogue entre gouvernement Venezuela et opposition pour résoudre chirépite sur élection. Ancien président Colombie Alvaro Uribe et magistrat ville Medellin en Colombie Federico Gutiérrez fait marche avec environ 100 moun contre l'élection président Nicolas Maduro que l'opposition a contesté. Ancien président Uribe dit pas de négociation possible avec un dictateur qui volait liberté à droit monde Venezuela pour y exprimer un bulletin vote. Il dit, nous devons avoir force pour nous chavirer dictateur.
Tribunal suprême Venezuela a mené un audit sous élection 28 juillet à que opposition contestée. 104 qui a suivi élection en Venezuela dit pas de preuve que pirate internet est entré dans cette tabulation. Leader opposition à élection présidentielle là, Edmundo González, pas occupé convocation tribunal suprême qui a mené audit là. Il dirigeait une manifestation contre le président Nicolas Maduro. Président Maduro gagne élection 28 juillet à 52% voix. Et candidat opposition Edmundo González Urrutia est venu en deuxième à 42%, d'après résultat officiel que Conseil électoral national a publié. Serge-François Michel, VOA Créole. Donc, dossier s'arrête tout l'ouvrir et avec crise électorale et crise politique dans le pays Venezuela. Autorité pays Autriche arrêté quelques suspects en connexion à complot pour attaquer concert vedette populaire américain Taylor Swift. Sandra Lemaire, gain détail. Autorité autrichienne dit tous les deux suspects qui ont dans complot yo déjoué qui était visé attaquer spectacle vedette américaine Taylor Swift yo semblait te prend inspiration dans groupe État islamique là et puis Al-Qaïda. Yo déclaré jeudi que enquêteurs yo joignent matériaux pour fabriquer bombe la kayoun nan suspect yo. Autorité yo dit youn nan yo te confessé d'est-ce que l'État planifié pour touyer autant monde que possible devant Arena. Tout billet pour trois concerts Taylor Swift yo te gen tan fin van à l'avance. Yo te annulé concert yo mercredi à cause complot. Ça qui te dévasté Swifties yo qui donc fanatique farouche Taylor Swift yo tout partout dans monde là. Ewald Tatar, c'est organisateur concert. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich so eine Absage selbstverständlich mit Koordination mit dem Management passiert. Les dit en général une décision comme ça pour annuler arriver après coordination proche avec manager. C'était au bagage clair. Nous avons pas de décision, c'est manager Taylor Swift qui prend. Question s'il était nécessaire pour annuler conseil. On peut répondre seulement à Fayo que nous toutes finissons qui donc réponse moi c'est simplement oui. Anna Maria, c'est un étudiant bulgare qui t'est voyagé Autriche pour spectacle Taylor Swift là. It's actually really sad that this is actually the world we live in and je dis c'est un bagage qui triste que c'est dans le monde ça a vivre et que bagage comme ça a passé parce que concert ça t'a doué un côté sécurisé pour tout le monde. Pour rien ni vu nous menace. Personne pas qu'à sentir en sécurité encore leur assister concert comme ça. Fanatique américain Andrew Strauss avec maman Allison Strauss déparé pour y prendre avion depuis États-Unis pour aller Vienne pour garder spectacle Taylor Swift là le yoté tandis que concert annulé. We bought these tickets a year ago and I li di ou konnen nou te acheté billet sa yo année passée et moi te gen chance parce que moi déjà ouais performance là mais maman moi ak belle sœur moi qui t'a pral rencontrer nous l'autre bois pour que j'aime well donc yo te content en pile pour yo faire ça et puis sans attendre téléphone moi commencer sonner dans aéroport et puis nouvelle là c'était que concert annulé à cause au complot et puis j'ai commencé à recevoir un paquet emoji dans le téléphone moi avec de cœur cassé et puis moun qui t'a présenté moi sympathie. C'est là ça moi t'ai monté sur Twitter et puis moi t'ai dit maman ah il y a un concert ça annulé. C'était un bad wall parce que nous t'ai gain billet pour seul vol direct en Newark avec Vienne et nous t'ai kawé moun qui a réagi après au t'ai vinn apprendre nouvelle là tout. C'était un bad wall. En pile un fanatique Taylor Swift, tu t'es fin dépenser plusieurs milliers d'euros pour voyager Autriche, pour assister au spectacle Eras Tour là, et puis pour réserver chambre hôtel pour ses joyaux. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Voilà, c'était Actualité internationale, la nouvelle sur Haïti dans un petit moment.
Oui, au sauvé au Creole, n'a pas mettre depuis Washington DC. Actualité dans le pays d'Haïti, Primatula organisé un atelier sous état des lieux avec administration publique là. Activité ça réuni ministre et dans le gouvernement Gary Konina dans le cadre administration publique avec partenaire financier. Détail avec Yves Manuel. Gestion ressources humaines, c'est un outil qui est important en pile pour bon fonctionnement l'État pays d'Haïti. C'est en tout cas ça représentant OMRH là, Office Management et Ressources Humaines. Fait qu'on est responsable en profiter pour dévoiler quantité fonctionnaires dans l'administration publique là pour exercice 2022-2023. L'exercice fiscal 2022-2023. Le nombre de fonctionnaires actifs s'élevait à 97 966, contre 97 089 à date, soit une baisse de 2617 fonctionnaires liés en grande partie à la faveur des programmes humanitaires des pays de la région. Atelier consultation ça sous état des lieux avec administration publique pays d'Haïti, capital pour gouvernement selon Marie-Kathleen Forestal, ministre économie et finance là, souligné des massas visé travail en faveur d'une fonction publique haïtienne qui est plus dynamique. Aujourd'hui, vous avez été conviés à cet atelier, non seulement pour échanger sur les défis, mais surtout pour trouver des solutions palpables au renouvellement de la fonction publique haïtienne. Je suis convaincue que le partage des idées, des expériences et des perspectives permettra d'identifier des pistes de solutions pour en faire de la fonction publique haïtienne un modèle d'excellence et de probité. Chef gouvernement Bokote Pal mettait un pile accent sur le problème pays d'Haïti à confronter. Gary Koni fait qu'on ait capacité homme et femme pour faire changement ça yo doit en mettre en discussion yo dans cadre recherche solution à problème ça yo au centre de résolution problème ça yo au centre de victoire sur la pauvreté ces capacités pour l'état jouer un rôle au centre de la transformation d'Haïti au centre du développement d'Haïti c'est la capacité d'hommes et de femmes engagés, dévoués, disposés à donner cœur et âme pour le changement. Atelier ça réuni ministres, cadres, employés, fonctions publiques, représentants partenaires techniques et financiers. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Haïti Justice et la Cour d'appel Port-au-Prince libéré M. Robinson Pierre-Louis, ancien secrétaire général Barreau Port-au-Prince là, et M. Michel Virgile, ancien commissaire gouvernement Port-de-Paix, hier mercredi, après avoir passé deux années dans la prison dans quatre dossiers bateau Miss Lily qui était impliqué dans le trafic d'armes et munitions. Machia Dovelme. Libération ça arrivé faite après une demande en main levée et qu'il peut être fait dans la cour d'appel Port-au-Prince là qui décide de libérer après 7e comparution devant juge. Avant que les accusés ont passé plus de 24 mois en détention préventive, il y a lieu pour la cour de faire droit à la demande en main levée sollicitée en leur faveur, à charge par les juges présentés à tous les actes de la constitution aussi tôt qu'il en sera. Ils la cour délibère en conseil sur le fait d'avoir sur les conclusions du ministère de justice. Déclaré sur la main la forme, l'appel intervenu par l'individu au médecin de l'Université de l'Université de l'Université, dit qu'il a été mal ordonné, bien après, il est libre en conséquence de la sécurité sur le premier moyen des appelants. Il est déclaré incompétent la juridiction d'instruction du tribunal de commerce de Port-au-Prince avec les conséquences de l'ordre. Parce que l'audition des équipes et nos comparants, renvoie la cause des voisins par le plan de juridiction compétente à la dirigeante du ministère, sur les dirigeants du ministère de l'Université. Accorde main levée du mandat de dépôt en faveur des équipes de l'Union européenne, à charge par le sous-président pour présenter à l'aide de la procédure de la Commission compétente, aussitôt qu'ils en sont au courant. Comme rappelle Maître Robinson Pierre-Louis, secrétaire général Barreau Port-au-Prince, et Michelet Vigile, ancien commissaire gouvernement, été arrêté 22 juillet 2022 passé pour présumer implication dans la libération Fritz Jean-Rélus et Jonas Georges. La police et agent douanier au Port-de-Paix, département Nord-Ouest PA, été arrêté pour trafic d'armes et munitions. D'après un rapport enquête, Bureau Affaires financières et économiques, M. Robinson Pierre-Louis était déclaré, il était intervenu dans le dossier ça. Présentation au Bédlami.
Exposition Femme Noire, Black Women Expo te déroulé dans Chicago weekend day 3 à 4 août là. Pour occasion, local Mac Comic Place là te transformé en un gros magasin côté plus passé 300 businessmen, majorité femmes, te vin exposer business yo, soti dans produit cosmétique, rad, manger, service santé et même pour arriver dans jouet. Marilyn, c'est un visage monde habitué dans événement ça. Li présente une belle installation crème pour peau avec bougie senti bon li créé avec propre main. Ça fait environ 8 ans depuis ma participé dans exposition ça. Et exposition c'est un bon côté pour bay business ou visibilité. Année ça fou la plus grand passé l'année dernière et li gen toute qualité monde là-dedans. D'après Shirley, yon nan moun kap jere déroulement exposition sa, environ 5 à 10 000 visiteurs te défilent dans espace la chaque jour pendant week-end. Nan. So Black Women's Expo is a celebration. Exposition Femme Noire aussi une grosse célébration business africain américain, femme et puis toute famille. Grâce à ce support nous joindre dans un pile sponsor, nous arrivons mettre information à ressources disponibles dans la communauté africain américaine. Et pour Vanessa, fondateur Max Healthy Seasoning, exposition ça c'est une bonne opportunité pour lui non seulement faire promotion pour business et puis client, mais lui profiter plateforme ça tout pour lui faire sensibilisation sur nécessité pour manger produits qui bon pour santé. C'était une bonne idée pour me là parce que communauté ça yo, et spécialement communauté minorité yo, besoin éduquer sur bien-être yo. Nous tellement gain déjà un pile des avantages dans le domaine de la santé. Et exposition Femme Noire yo, c'est un bon espace qui permet plus femmes puis bien sensibiliser sur bien-être yo. Exposition Femme Noire a fêté 30e édition l'année ça. L'instance est plus ancien événement comme ça dans le pays États-Unis qui fête spécialement pour business et consommateurs africains-américains. Just keeping our black women and their families. Nous étions focus sur encourager les femmes noires qui font business et faire au même avec toute famille toujours intéressée à l'événement chaque année. Nous faisons place dans l'exposition en tout pour un pile nouveau business, spécialement business monde noir qui a entré sur le marché. Et puis nous travaillons tout pour jouer un sponsor dans un pile gros compagnie et puis encourager pour toujours supporter et faire affaire ak femme africain américain yo. Et gen tan gen an pile moun ki ap tann prochain édition exposition Femme Noire yo, tan kou Aina Actressy ki ap mené un business bijou artisanal depuis 13 l'année. And we look forward to each year. Nous toujours ap tann événement ça parce que chaque année li offre une expérience qui différent et chaque année business yo progresse dans une nouvelle phase, business yo monte dans un autre niveau. Li vraiment profitable et pote un pile bénéfice pour nous. Nous gen an pile reconnaissance pour opportunité ça et nous espérons participer encore année prochaine. Obed Lamy, pour VOA Creole depuis Chicago. Et puis, après, retourner dans le pays d'Haïti pour nous parler de élection avec Rouynan Toussaint. Environ un mois après Conseil présidentiel transition a fin lancé processus mis en place Conseil électoral provisoire dans quatre démarches révision constitution à travers conférence nationale là qui t'a doué mener pays d'Haïti dans élection présidentielle, législative à collectivité territoriale, en pile secteur qui engagé pour voyer représentants dans institution électorale là, pour qu'au cas entendu à cause conflit qui existait entre eux. Conférence épiscopale d'Haïti, désigné Patrick Saint-Hilaire, association journaliste haïtien, Jacques Desrosiers, avec l'église catholique qui voyait non représentant sans contestation interne. Secteur protestant voyait deux noms by CPTA, Fédération protestante soumette Youn, ak l'autre organisation yo, COPA, CONASPE ak FEPA soumette l'autre représentant. Alors que chaque secteur doit soumettre yo seul nom pour former conseil électoral provisoire. Même situation pour secteur syndical qui divisé sous choix yon représentant. Pareil tout pour secteur vaudou ak paysan, y compris association défense Douamoun yo. D'après yon note conseil présidentiel transition, structure qui engagé nan mise en place conseil électoral provisoire, gen yon délai jusqu'à jeudi 8 août 2024 la pour voyer non représentant respectif yo nan conseil électoral provisoire nan cadre mise en place institution. Ou nan tout ça. Pour VOA Creole, Port-au-Prince.
Et c'est avec les derniers reportages ça que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. Ah, c'est ton plaisir, comme d'habitude, pour nous avoir. Donc, rendez-vous, c'est pour demain, pour un autre rendez-vous info qui sera le dernier soutien pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lambelizer. À demain. Et situation et sécurité pays à prendre là, et surtout dans plusieurs côtés de pays, dans Grèce, dans Ganty, dans Cabaret, dans Akaye, et sans oublier dans Port-au-Prince, Mdati bien, dans Delma, dans Pétionville, dans Croix-des-Bouquets, ça continue à pas soulever réaction, là, qu'il y a divers acteurs politiques, et qui, au même jeudi, hein, et qui commençaient très mal comprendre et très mal, ouais, conseil présidentiel, yo, mettez avec gouvernement qu'on y a dirigé, hein, mettez avec déjà la police Ramon Milan, et vin ajouter avec Andy et on parti dans mission multinationale qui en Haïti. Et ensemble secteur ça yo, ensemble acteur ça yo, yo même encore yo dit que est-ce que gay espoir pour que bagarre ta changé et il a regardé dans comportement équipe qui là, yo dit clairement que yo pas ouais volonté la caillou pour ta capable résoudre question insécurité hein, diminuer dans question grand gouan et permettre que la vie reprenne en dans pays hein. Bien que Edgar Leblanc fils qui c'est président conseil et conseil transition hein, et bien sous tribune Caricom, monsieur dit et on dit semaine passée hein, que la vie commence à reprendre en d'un pays. Hein. La police, force de l'audio, yo quasiment presque prend contrôle pays. Hein, pour me répéter, Edgar Leblanc fils, un pile acteur réagit sous ça. Yo dit, est-ce que finalement, Edgar Leblanc fils pas vivre dans le pays, hein, puisque, gardez, yo qui plusieurs mois, yo prêté serment, yo installé, yo beaucoup, même que j'aime qu'à aller dans le palais national, qui c'est côté où t'as dû siéger, et pourtant c'est dans la villa d'accueil, dans Musso de Mas 60 qui est aussi alors que même PM Gary Kony récemment a fait une visite dans l'hôpital général, c'est en bas gros coup de balle, il est sorti et tiré colle, et bien en bas l'hôpital général. Mon cabaret, mon akaye connaît des moments très difficiles dans la soirée qui était exactement mardi 6 août 2024. Désir, comment est-ce que vous avez terminé avec l'invité? Eh bien, la situation nous pratiquement à faire. On est Gemette Robinson Pierre-Louis qui joue et Libération. Et Gagné et Michler Vigile tout, ancien commissaire au gouvernement portugais, et qui pratiquement était gagné, pas de paix, pardon, qui était impliqué, pardon, qui était impliqué dans ça qui vient pour avec question, et bateau qui était gagné ZAM, qui était rentré là-dedans, et il était arrêté, monsieur Silayo, et bien, il a passé presque une année en prison, et bien, et il a sorti, et bel et bien, après, et juge de fin, tendez, Blaise Peterson. Il y a un scandale qui pratiquement a passé donc de fête entre païens avec chrétiens, Emeline Michel, qui était dans un concert évangélique, que pasteur Mallory, et c'est donc regarder bagarre différent, qui permet que haïtiens qui croient dans valeur Emeline Michel, et pour tout le dernier moment, Blaise Peterson, pasteur Mallory, et passé non seul, Jésus-Christ, en bas haïtien, surtout, vous connaissez les haïtiens, c'est Dieu qu'on est le guédier, qui pratiquement qu'une responsabilité, elle remet au monde, pour quelle que soit la raison, le pape d'accord, que vous parlez mal de lui. L'État haïtien a baillé chaque parent, tout le monde, dans quelques départements qui ont pu cibler, dans sa client pour avec réouverture des classes, 15 pour vivre 20 000 gouttes et c'est 5, plus ou moins 5 milliards de gouttes qui peuvent débloquer dans le cadre pour Roger Silla qui participe et lancer débat bon côté population, bon côté des acteurs, les situations parce que ils ont estimé l'IPA pas bienvenu, c'est pour l'État à Angel investir contre insécurité dans équiper la police, ça la permet que Mounio qui a gagné 15 000 gouttes, 20 000 gouttes pour Timounio qui pratique dans l'école communautaire ou bien et dans l'école nationale, il y a quatre travail, il y a quatre faire commerce pour rentrer l'argent et surtout pour capable prendre soin de Timounio, bah Timounio ça a besoin. Malheureusement, autorité pas vraiment provision pour changer condition la vie population. Si on regarde pour conseiller présidentiel qui pratiquement les personnes gagnent plus passé et 4 mois depuis là et PM Gary Kony gagne environ mois et plus depuis l'IPGA investitif jusqu'à présent ouais conditions de vie messieurs dames a changé tout simplement on sait le bagage que messieurs dames dans le conseil présidentiel lui offrir ces scandales corruption qui a parlé côté yota accusé sous l'argent. Il faut qu'on dise tout gagne et président conseil administration et BNCA que responsable ILCC a été tendé pour te questionner, pour te connaître. Est-ce que ça, que vous tendez qu'à parler dans la rue, est-ce qu'elle n'est pas de vérité?
Est-ce que monsieur conseiller présidentiel yo t'es convoqué pour te mandel, t'a fait pression sur lui pour te pour te bail 100 millions goud juste pour être capable gambel dans et conseil administration BNC pour un peu le monde qui fait quoi que bourgeois en dedans pays qui avait en otage depuis un bon bout de temps. Dans Port-au-Prince, l'amour sans je continue à faire causer, c'est presque chaque jour monsieur présenté yon cargaison zam, ak munitions ke li achete, ou jusqu'à présent, autorité policière yo, pou ko gen dimension, pou ko gen tactique, pou yo marche pren l'amour sans jour, et qui se chef gang, 400 maozoa, ka fait parler de li, qui bloqué, pou parisien, et même zan, li bloqué pour an, li soude l, les personnes, li disait pour 4 mois, machine qui qu'on utilise route ça pour aller mal passe pour mener mon arrière affaire de pas traverser tout ça c'est embagé autorité qui dans l'état qui dans conseil présidentiel transition qui dans gouvernement connu en belle situation. Invitez-nous, c'est un habitué dans Kailan, dans le lycée Ulysse Jean Chouinet, lycée et une responsable en mouvement point final, et qui toujours prend des positions à Kailan de Payan, et souvent va que le parler avec nous dans mes sacs nouvelles, Blaise Info Point Nouvelle, Bot Calbas Info Racine Nouvelle Haïti. Ulysse Jean Chouinet, comment est-ce que vous êtes, nous va parler de quelqu'un, non? Oui, Blaise, mon cher, nous en forme, malgré la situation du pays, qui de nous saluer, monsieur le désir qui l'a, qui est toujours avec nous comme d'habitude. Et puis, une salutation tout à fait spéciale pour Internautio. Et puis, on a dit que la situation est en ligne pour aller de mal en pis. Parce que ça que nous vivons là, journée aujourd'hui, hein, il y a des gens, des autorités, des acteurs politiques qui disent que c'est déjà plus mal que ça nous saute vivre sous règne Ariel Henry. Mm-hmm. Et constat pas ou même, c'est vrai que des gens qui disent, mais ou même comme acteur politique, ou même comme ou, et cap dirigeant estriti, et qui en dit presque présent avec ou même dans Grécien, dans Léogane, et qui se dit par rapport avec ça, l'autre monde dit ou même, qui ça constat pour lui-même? Et mais non, pas dire comme ça, parce que le gouvernement qui l'a, et quatrième version PHTK, Ariel Henry, c'était troisième version, hein? Et non pas continuer bon que l'autre n'a vu c'est une c'est continuité l'autre c'est même Pepin Pio c'est même Cabrit Tomazo yo malheureusement journée aujourd'hui hein ouais c'est désespoir sur toute la ligne dans toutes les communautés dans toutes les zones dans tous les coins et recoins du pays à tel point que journée aujourd'hui hein nous gagne de nouveaux territoires qui a perdu. Et nèg yo prend dentier, yo prend cabaret, yo commence à rentrer sous Akaye, à plusieurs fois yo fait des interventions à Léogane, c'est pour me dire ça va très mal, très très mal, et que pour nous autres au niveau du mouvement personnel, nous pas là pour nous comparer, moun ka fait ça mal, c'est même mal yo ka continuer. Mais Kounia, comment vous gardez ou essayez de comprendre, je suis dit là, ou essayez d'effleurer, mais comment vous gardez ou comprendre que Anti non soit, bon, et pas la première fois ça arrive, mais ensemble de espace que Manti et territoire prend là, puisque nous sommes j'ai Edgar Lumafisté, Zobagale, que l'État prend fonction, si je me trompe, et moi c'était 18 mai, si je me trompe, l'État dit que pas de question. Perdu pour l'État. L'État, pas qu'à gagner limite, l'État pas qu'à gagner côté, l'État doit être capable, tout côté c'est pour l'État. Et je dis, hein, nous venons de Gantier qui entre dans l'Islande, nous venons de Grécier qui est dans l'Islande, bon, Kabaye Akaye était déjà dans l'Islande, mais Kabaye avec Akaye, bandit retourner et frapper, zone ça. Comment comprendre ça, je dis, hein, et même Edgar de Blanc-Fils, ça lui-même, après faire une belle déclaration, ça qui est bandit à battre ensemble de côté ça, yo, m'koué, et dans participation, dans 47e session chef d'État et gouvernement CARICOM yo et Caraïbes pardon dans et dans Grenade li fait qu'on est que la vie commence à reprendre dans pays hein, et la police avec la force de l'audio yo même y a reprend timidement contre le pays. Ah hein. Clave au service du blanc, au service du colon blanc. C'est ça blanc, c'est ça colon après m'entendre à celui a toujours dit. Parce que pour yo là, c'est CARICOM qui mette yo. Pour yo là, c'est corps groupe qui mette yo. Pour yo là, c'est l'Occident qui mette yo là. C'est tout à fait normal. C'est le type de déclaration, ça, que y'a fait. Pas oublier que, même nèg ça, et qui saute fait déclaration, ça, équipe LIA, je dis, a fait exactement 100 jours, depuis yo installé sous pouvoir. Même dans le palais national, là, vous pouvez mettre des pieds.
yo caché corps yo dans petit coin dans villa d'accueil en bas chaleur en bas maringouin en bas poussière en bas rager nèg ça pas gagne aucune dignité non yo pas gagne aucune autorité non yo pas gagne aucune crédibilité non yo pas gagne aucune légitimité non ce sont des gens terribles que nèg ça yoyé. Eh bien, nous pas capable quoi là-dedans. Et pas lui-même seulement qui te fait déclaration ça, non? Ou pas songer, Gary Coney, te dit que li pral attaquer bandi, il pral marcher, pran caille en caille, pour moun retourner, communauté en communauté, il pral récupérer territoire perdu. Il tellement fait déclaration, déclarer état d'urgence sécuritaire. Et pendant l'état d'urgence sécuritaire, il n'y a pas rien qui fait, pas qu'on arrestation qui fait, pas qu'on chef de gang qui tombait. Au contraire, c'est plus territoire que nous venons gagner. Parce que c'est dans le moment et état d'urgence sécuritaire, là, nous perdons Gantier, nous souhaitons pour nous perdre Tomazo, nous perdons Bercy dans le cabaret, nous souhaitons pour nous perdre quoi des bouquets. Mais c'est terrible. C'est ça, il n'y a pas rien de sérieux pendant le temps que vous faites sous pouvoir, que vous êtes capable de bailler comme espoir. Avec peuple haïtien, c'est un seul bagage qu'on est capable de demander pour yo, que yo démissionne en bloc, à le manger, si ça que yo déjà fait, yo déjà pillé dans la caisse l'État. On avance ici avec, avec Ulis. Très bien, Ulis, modèle situation qui est là, on ne croit pas que Livine surprise pour nous-mêmes comme acteurs politiques. Depuis les conseils là, t'as monté, nous te connais, c'est une équipe monde qui pratiquement est dans le chômage, qui t'a cherché un job qui vient là, qui rend que situation vient quatre fois difficile. Mais est-ce que vous pensez, n'a pas qu'à sortir dans la situation que nous trouvons, non, au moins 19 mois que M. Tadoué gagne pour vous faire là, déjà 4 mois déjà écoulé là-dedans. Comment nous avons sortir dans la situation que nous trouvons là? Excellent. Nous mettons barrer 500 mois, nous pas capable de résoudre le problème qui vient là. Le pourquoi? Tout d'abord, il faut que tu aies une volonté pour résoudre la crise là. Non, il n'y a pas une volonté ça. Il faut que tu aies un sentiment de patriotisme qui développe la caillou. Non, il n'y a pas une bagaille comme ça. Il faut que tu aies une soucoupe réglée la communauté internationale là. C'est de ça que tu as. Il faut que tu aies une autre intérêt inavoué et inavouable. Et la caillou, où est-ce que ça a développé? Où est-ce que c'est plus corruption? Et qu'a déclaré la caillou, c'est scandale de corruption, de scandale, et en scandale, qu'a développé la caillou, de ce ça, au capable de faire 500 mois, le pape jamais résoudre problème insécurité qui vient là. La solution idéale à la résolution de la crise haïtienne doit passer par un soulèvement général de la population haïtienne, parce que le peuple est souverain, le peuple n'a jamais perdu bataille. Très, très bien. Et déjà, mes ententes, en mis en conseiller présidentiel, yo, avec Gary Coney, parce que vous avez des militants politiques qui déjà a demandé Gary Coney rachet Mayok Libaïter, et conseiller présidentiel qui estime que le pouvoir est lésé, dans la tête que Gary Coney veut prendre tout pouvoir. Ou sauter, essayer donc de répéter en parole que Gary Coney te qu'on répétait dans divers discours qu'il a fait, il dit que yo pral Antonio pour yo rencontrer le pays à kay en kay, ok, quartier en quartier. Est-ce que vous estimez qu'il y a un travail qui commence à faire là qui va permettre que nous récupérer le pays à kay en kay, quartier en quartier? Bonjour. Bon, ça va seulement pour Gary Coney, m'a tout dit. Ni pour Gary Coney, ni pour CPTA, ni pour force étrangère la guerre dans le pays. À nous mettre yo trois, à nous mettre yo quatre ensemble tout. Et DGPNH là. Quatre groupes inutiles à yo. Et ensemble, nous décréter l'état d'urgence là. Ou en quitter l'autre bagaille, oui. Parce que les gens fait monter, c'est tout à fait normal pour faire des discours, pour essayer de joindre sympathie la population. Nous quitter des discours yo de côté. À nous garder l'état d'urgence sécuritaire là. Parce que l'état d'urgence sécuritaire là, il n'y implique ni CPT, ni gouvernement de Gary Coney là, ni PNH, ni force multinationale là. Depuis force multinationale là, venu dans le pays, là, c'est trois visites d'exploration que vous faites seulement, oui. Vous faites une au bas de la ville,
yo fait youn et en bas d'Elma, yo fait youn sur route frère là. Yo pas jou voyen encore non men. À tel point que nèg sa vinn développer une psychose de peur. Yo même déclaré dans feuille de route force étrangère là, yo pas bien protéger une bataille à gang pour nous non. Et c'est bâtiment public de sécurité, c'est palais et c'est aéroport, c'est ambassade, c'est route nationale, yo vinn garder sous ça. Bon route nationale yo même yo peur yo pour y embarquer là-dedans. Même l'agresser au beaucoup j'en rivé. Et yo fait tentative pour y aller gantier yo courir tourner. Ça veut dire que non seulement espace état d'urgence sécuritaire là nous y est, où est-ce que ça fait? Nèg yo prend gantier. Yo boule commissariat, yo boule et mairie quoi des bouquets, yo boule DGI quoi des bouquets, yo boule hôpital la police ta qui nan quoi des bouquets, et yo rentre en dans gantier, yo fait même bagay la, yo boule commissariat, yo boule douane, yo boule avant poste douanier qui gantier ya, yo incendie blindé. Yo boule kay moun yo, yo viole ti moun yo, yo bayon paquet jen fom baton. Et tout se sou etat d'urgence la, yo kounye la neg yo glisse sou zone et kabare, nan région de Matéan. Neg yo ale nan lokalite gire le Bercy. Neg yo mette tout moun yo de yo, yo bat moun yo, yo krasé kay moun yo, yo fon paquet de zot, à tel point là yo franchi kounye la sou akare. La même chose, yo fait agresser. Actuellement là, yo fin tellement, bandit tellement pour agresser, yo gade sou apercé sou le yogan. Tellement nan espace état d'urgence sécuritaire, parce que l'ordre état d'urgence sécuritaire, son gros bagage que lié, c'est une décision solide qu'on prend pour porter une solution rapide à un problème qui existait. Maintenant, si nous quittons quatre états d'urgence sécuritaire là, en nous garder toute proposition que nous avons fait. Depuis que nous venons là, c'est des fausses promesses en fausses promesses que le gouvernement Gary Conil en fait. Et il a fait une série de vieilles déclarations dans la presse. Yo sont organisé examen officiel pour 9e année ak pour élève S4. Yo gen un paquet de monde qui pas composé et puis yo dit c'est 95% nan ti moun ki te dwe al nan examen officiel yo ki al composé. Tandis que men là nan cabaret pi fort tout ti moun yo sensé pa al composé nan cabaret à cause de insécurité pi fort ti moun gantye pa al composé à cause de insécurité 60% nan ti moun gressier pa al composé à cause de insécurité yo tellement confortable yo déjà annoncé réouverture des classes pour le 1er octobre 2024 c'est pour nous si c'est sous nèg ça yo nous compter pour nous résoudre problème insécurité a nous mourons tous comme des canard sauvage. Très bien. On y a un gardé et absence la police qui a multiplié presque et chaque jour dans différentes zones côté Mounio a lancé des SOS ou parler des cabarets ou parler des et Akaye. Je dis en situation une quatre fois plus compliquée et selon ou pas penser que monsieur qui vient là dans quatre mission et multinationale là plus environ 400 officiers kenyans déjà là et ou pas quoi que vous cap porter solution, imaginez qu'il y a plein, presque dans le même degré, avec la police et président du conseil, présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils, et fait état des matériels que monsieur dans quatre missions et qu'il a eu pas gain. Vous pensez que n'a pas résolu le problème dans quatre missions ou sans mission? Désir. Kenya n'a pas gain capacité pour résoudre crise qui vient en Haïti. Crise qui vient en Haïti. Crise sécurité là surtout. Les plus coriaces, c'est ça qui vient au Kenya. Tandis que je pas même qu'à résoudre ça qui vient. Ça qui vient résoudre crise par nous qui est plus compliqué encore. Son caractère, vous ne pensez pas que ça nous ne sommes pas capables. Vous avez encore? Next, vous avez recruté qui vient là. 600 Kenyans, ça, yo.
Et pas des vrais policiers, non? Malgré même les RCD des vrais policiers, ça vient d'un pays là, son femme de guérilla, il y a eu Ben Gelier. Il y a madame Carré, non? C'est pas des policiers même. Ce sont série des jeunes nègres qui ne font pas rien, ils ont couru par une formation rapide. Et pour venir dans la mission, son recrutement, quand on inscription, ils ont fait, oui? Parce que parmi les forces opposition qui sont dans Kenya, ils n'ont pas d'accord pour policiers ou bien pour militaires qui viennent en Haïti, non? C'est Wouto qui court, ils font un bagage rapide là. Ils lancent quand on appelle d'offres, comme ils ont un pile chômeur, l'autre bord, chômage là enragé au Kenya. Et puis ils courent, ils font appel à la conformation un mois, deux mois pour nex ça, oui? Et pour pas un égo tellement pas gain astuce et policier ou bien militaire là kayo là au descend dans important au lieu bousser des exhibitions à faire pour inquiéter et bandi c'est danser y a danser quand tout monde qui vient danser à aller au gunman. C'est déjà un signal que n'ego te voir éclair son paquet de plaisir son paquet de touristes qui viennent manger fritaille dans pays oui men. Et je me présente son plan d'action et force étrangère là. Même yo même pas compte qui ça vient faire non, son 600 millions de dollars et que communauté internationale a voyé en l'air ou bien coquer son docaille et puis yo vient chercher comment yo capable prendre en 200 300 millions de dollars dans 600 millions de dollars ça même. Nèg yo pas vienne résoudre problème insécurité pour d'ailleurs yo pas vienne battre avec gang pour nous. N'a pas de la communauté internationale, pour jusqu'à présent, surtout, et notamment qu'a dit Conseil Sécurité en dedans des Nations Unies, qui t'est voté, qui t'est pris en résolution, et qui permet mission cap déploie ton en dedans pays, et selon ou pas, on joue être cache-cache libyen, on joue être coquet, mettre dame cap joué là, les, ou gardez, officiers kenyans, normalement, ou débarquer, c'est vrai, ou gen fusil dans mes qui, pratiquement proportionnel, même là, avec physique et bandit, utilisé, il n'y a pas de matériel qui vient malgré. Et les États-Unis ont fait nous connaître aux environ 100 vols qui et avions militaires qui ont atterri sous tamac à l'aéroport international de Saint-Louverture, qui ont fait vraiment, et qui ont apporté matériel. Et nous avons des plaignants, comment c'est plaignant pour question matérielle dans quatre missions. Est-ce que vous ne pensez que c'est temps que M. Damien entende qui a fait passer, qui a permis que la situation dans le pays d'Haïti a pu s'empirer? Exactement. Non seulement il a fait temps passer, t'as oublié que dans le cadre nouvel ordre mondial, dans le cadre dessiné, vous avez un gros bail, je vais dire là. Je ne sais pas comment je vais dire non, 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 intervention, je vais faire. Dans le cadre nouvel ordre mondial, dans le cadre dessiné, et toutes conditions réunies pour gagner en troisième guerre mondiale. Le Kenya, c'est un allié sûr des États-Unis en Afrique de l'Est. Negyo a cherché, pas oublier que en Haïti nous presque pas gagné l'armée, son l'armée embryonnaire ou bien une l'armée bancale que nous gagnons. Et les États-Unis pas fait soldats militaires haïtiens ont confiance. Negyo ou qui vient là sont forme de prépositionnement.